Bienvenue à la maison. Introduction de Frère Bill aux épisodes de guérison. Les épisodes qui suivent sont exposés en réponse à de nombreuses demandes d'en présenter la teneur sous la forme imprimée. Presque tous se passèrent dans les années 30, au cours de mes conférences et voyages dans de nombreuses villes des États-Unis. Ces récits ne sont qu'une partie de toute l'épreuve de la grandeur de Dieu dont j'ai eu le privilège d'être le témoin. Pour l'individu qui ne cherche pas de miracle autour de lui, dans sa vie de tous les jours, cela peut paraître étrange. On croit généralement que l'âge des miracles s'est éteint avec l'ère de Jésus. C'est faux. La période actuelle est aussi un âge de miracles. D'une manière ou d'une autre, toute personne vivante et respirante a vécu un miracle, en a été témoin ou en a entendu parler. Quelques-uns de mes lecteurs pourront en rapporter de nombreux. Tout réside dans votre capacité à accepter les œuvres de Dieu, soit comme une coïncidence, soit comme un signe. C'est à vous d'accepter ou de rejeter comme il vous convient. Vos croyances religieuses peuvent être celles qu'elles sont. Dieu n'est pas lié par les étiquettes ou les affiliations. Il ne dit que ceci. Demandez-moi les choses à venir, concernant les œuvres de mes mains. Commandez-moi. Isaïe, chapitre 45, verset 11. Avant que tu n'appelles, je répondrai. Isaïe, chapitre 65, verset 24. Tu lui présenteras ta prière et il t'exaucera. Tu décréteras une chose et je la réaliserai. Job, chapitre 22, verset 26-28. Invoque-moi et je te répondrai. Jérémie, chapitre 33, verset 3. Dans l'Exode, au chapitre 3, verset 13 à 15, il est écrit: Et Moïse dit à Dieu: Vois quand j'arriverai vers les enfants d'Israël, et leur dirai que le Dieu de leur père m'envoie vers eux, ils me répondront: Quel est son nom? Que dirai-je alors? Et Dieu dit à Moïse: Je suis celui qui suis. Ainsi, tu diras aux enfants d'Israël: Je suis, I am, m'a envoyé vers vous. Devrions-nous citer Dieu sous d'autres noms? Quand nous l'appelons Père, comme Jésus le fit, cela est juste, mais notez bien aussi que Jésus l'a appelé « Je suis, I am ». Bien des témoignages subsistent qui montrent que Jésus utilisait le nom « Je suis, I am » comme une introduction, comme par exemple dans « I am la résurrection et la vie » ou « I am le chemin, la vérité ». Bien sûr, Jésus voulait dire que c'est Dieu qui est la résurrection, le chemin, la vérité et la vie, et que lui-même n'était que l'un des nombreux messagers de la divinité. Un jour, à Waco, Texas, je me sentis poussé à relever devant un groupe toutes les choses merveilleuses que Dieu avait faites pour ceux qui étaient présents ou qui l'avaient été lors d'une visite précédente. L'un des participants fut peu enclin à accepter la notion de miracle pour désigner ce qu'il qualifiait de hasard. Il s'agit plutôt, dit cet homme d'affaires un peu réfractaire, d'une pure coïncidence. À ce genre de récalcitrant,
je ne peux dire qu'une chose. Que Dieu te bénisse sur ton chemin d'incrédule. Mais nous, qui aimons que Dieu soit dans notre vie, nous continuerons à l'invoquer, à le prier et le remercier pour les merveilleuses coïncidences qu'il nous offre. Les événements dont je fais le récit débutèrent quand, en qualité d'étudiant des lois de la vie, je commençais à mettre sérieusement en pratique la vérité de mes expériences quotidiennes. J'avais étudié la métaphysique dans différentes écoles, mais, comme la plupart des étudiants, je n'avais fait qu'en parler, sans la mettre en pratique. Je trouvais que parler était un peu chiche. Cependant, Jésus a dit « Car par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. » Matthieu, chapitre 12, verset 37. En janvier 1933, je commençais véritablement à affirmer et visualiser, demander et décréter. Tous les miracles commencèrent à se produire à cette époque, et ils se produisent encore aujourd'hui. Au fur et à mesure que j'enseignais la loi, les événements s'accéléraient, ville après ville. J'espère que les épisodes relatés inspireront beaucoup d'individus. Laissez-moi vous prêter main forte dans les jours à venir, car de la même manière que Dieu a dit « Appelle-moi et je répondrai, je vous dis, ne craignez rien, suivez la loi. » Mon souhait le plus sincère, mon grand désir, est d'accéder aux gens dont le cœur réclame de l'aide. Amis lecteurs, si ce qui suit peut vous aider de quelque manière que ce soit, alors mon travail aura trouvé sa récompense. Pour ma part, je suis reconnaissant envers la lumière, la vie et l'amour de pouvoir exposer ces événements en les accompagnant d'une prière de ma bénédiction à ceux qui peuvent en faire l'usage. Ainsi soit-il. William Cassière.